Bonjour Jean-Pierre Andrevon. Bonjour. Bonjour, je vous remercie de nous avoir rejoints pour ce Nice Fiction virtuelle due à Merci cette fameuse pandémie. d'avoir pensé à moi. Voilà, ça n'arrive pas toujours, mais. Ah bah écoutez, vous êtes le bienvenu à Nice Fiction en tout cas. Merci. Je vais vous introduire très rapidement. Bien sûr. Et puis après, on parlera de le monde enfin, Monde puisque enfin, oui. finalement c'est assez d'actualité, c'est assez terrible. Après, on ira plus vers votre écriture, vos thématiques, et là vous développerez comme vous le D'accord. sentez. Et j'aurai une petite question pour terminer sur la science-fiction en général, que je vous donnerai à la fin. Donc en fait, vous avez une. Pour parler très vite, avant de vous donner la parole, vous êtes un artiste assez multiforme. Vous écrivez, vous chantez, vous écrivez des chansons. Je sais que vous êtes aussi dans la musique. Certains de vos textes ont été adaptés au cinéma ou à la télévision. Et vous êtes toujours journaliste. Je suis Ça, toujours journaliste, quelque oui. chose qui. Média, justement, oui, tout à fait. Voilà. Et puis, donc voilà, je vous donne la parole. Tout d'abord, je vous laisse vous présenter un peu mieux, même si je pense que beaucoup de nos spectateurs vous connaissent déjà, bien sûr. Et puis après, on avancera. Bon, alors je ne sais pas ce qu'on sait, toujours très difficile de parler de soi, hein, surtout quand on est aussi modeste que moi. Non, je plaisante là. Je ne suis pas modeste du tout. Ben, voilà, je suis un amateur de tout et un curieux de tout. Donc, je me suis dirigé très vite vers la science-fiction, d'abord comme lecteur quand j'étais jeune et même quand j'étais tout gosse. Hein, j'ai dû en lire. Oh là là, il y a le casque qui se barre là. J'ai dû en lire quand j'étais encore à l'école primaire et même ce que je répète souvent, le tout premier livre que j'ai lu. C'est La Guerre des mondes de Wells, qui est un grand classique, un des premiers grands livres de science-fiction, et qui n'est pas du tout un livre pour enfants. Moi, j'ai dû le lire vers, je sais pas, 8-9 ans, 9-10 ans au maximum. Et je crois que ça m'a dirigé vers ce genre, même si c'est pas, comme certains, un intérêt unique. Je m'intéresse à beaucoup de choses, effectivement. Donc, j'ai lu de la science-fiction au cours de ma scolarité, en vieillissant, en mûrissant, et j'ai eu envie d'en écrire, quoi. Forcément, les choses qu'on aime, ben, on a envie de le faire, de le pratiquer soi-même. Et donc, j'ai commencé à écrire des nouvelles, plus ou moins mal foutues, puis je me suis amélioré. Mais ça a mis longtemps. Ça a mis longtemps parce que, bon, j'ai terminé mes études au lycée, puis j'ai fait des études de beaux-arts, puis j'ai été professeur de dessin, une profession. Une occupation qui n'a pas duré très longtemps, 6 ans de toute façon, parce qu'après j'ai commencé à publier, donc j'ai préféré être mon seul maître et passer mon temps à écrire plutôt qu'être avec des élèves, même si j'aimais beaucoup le professorat, hein, j'aime beaucoup travailler avec des jeunes. Et voilà, comme ma carrière, si je peux dire, hein, quand je parle de carrière, faut mettre des guillemets, toujours. Et notamment l'écriture, mais comme ma formation première, mon intérêt premier, mon talent premier, c'est quand même les arts plastiques, ben j'ai continué à dessiner, à faire des courtes bandes dessinées, à faire de la peinture, beaucoup de peinture, hein, ce que je continue d'ailleurs, tout en écrivant. Puis il y a aussi, c'est vrai, mon intérêt pour la chanson, avec ces gens de mon époque que sont Georges Brassens, Jacques Brel, tous ces gens-là, Félix Leclerc. Donc, ça m'a donné l'idée de très vite, hein, tout ça, ça s'est passé en même temps. Il n'y a pas eu des points de césure dans ma vie, hein, et l'écriture, le dessin, la chanson, la peinture, j'ai tout fait en même temps et je continue à tout faire en même temps. Donc voilà. Puis j'ai eu la chance d'être publié, mais assez tard, hein, assez tard, puisque ma première nouvelle dans Fiction, qui était le grand magazine de science-fiction de l'époque, est parue dans le numéro de Mai 68. Je suis très fier de cette coïncidence. Puis mon premier roman est paru un an après, un an et demi après. Et puis voilà, j'ai continué, quoi. J'ai continué, comme je suis un écrivain et un compositeur et un dessinateur compulsif. Ça m'a permis d'écrire beaucoup, vite, peut-être trop vite parfois, je sais pas, c'est pas à moi de juger. Et puis on arrive aujourd'hui avec 170, 175 ouvrages dans ma vaste bibliothèque. Plein de chansons, plein de dessins, plein de toiles, etc.
Voilà ce qu'on peut dire. Bon, s'il y a des choses à ajouter, je veux bien, mais on peut. Tout ça sans aucune prétention, je fais ça tout naturellement parce que ça me plaît, hein, c'est tout. Voilà. Ben, c'est effectivement, il y avait la peinture et la bande dessinée que je n'avais pas relevée. Donc, c'est vraiment, vous êtes ce qu'on appelle un artiste complet. Vous arrivez à vous exprimer dans plusieurs types de création. Ben oui, je n'explique pas pourquoi. Il y a des gens qui font qu'une seule chose, il y a des peintres qui font que peindre, ou des écrivains qui font qu'écrire. Moi, je ne veux pas me comparer à Boris Vian, mais je suis un peu comme lui. Quoi. Je fais un peu tout parce que tout me plaît et j'y arrive aussi. Bon, c'est comme ça. Sans forcer, si je peux dire. Et toujours à Grenoble. Toujours à Grenoble. Je suis né à Grenoble. C'est une ville très sympathique, qui est ni trop grande ni trop petite, qui est entourée de montagnes. On peut aller se balader très facilement sans même prendre sa voiture. Il n'y a qu'à grimper. Moi, je suis un petit peu en dehors de la ville, là, sur le flanc d'une des collines qui ceinture Grenoble. Donc, j'ai qu'à sortir de chez moi pour grimper, pour être dans la nature. Donc, voilà, je n'ai jamais eu besoin d'aller ailleurs, tout simplement. Quoi. Ouais, on va passer maintenant au texte, en fait, dont on voulait discuter, qui est donc « Le monde, enfin ». Qui fait partie, donc la dernière publication est parue au Bélial en 2013, dans un opus, une espèce d'objet On appelle ça un best-of, c'est-à-dire la réunion de ce qu'on peut considérer comme mes meilleures nouvelles, piochant dans toute mon écriture, disons, oui. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que, bon, là, c'est un ensemble de nouvelles, il doit y en avoir une vingtaine, et puis il y en a une qui s'appelle « Le monde enfin », effectivement, où je décris un vieux cavalier qui se dirige vers la mer pour mourir en voyant une dernière fois la mer. Et puis, il se trouve que cette nouvelle, je me suis dit, mais il y a un truc là, je ne peux pas la laisser toute seule, et peu à peu, j'ai écrit d'autres nouvelles qui se rattachent, et dont certaines se réfèrent à la jeunesse, ou à la vie de ce cavalier, donc on voit ce qu'il a fait avant que le monde soit totalement désert. Et j'ai réuni ces nouvelles dans un autre recueil, un autre bouquin, qui lui s'appelle Le Monde Enfin. Il y a Le Monde Enfin, livre, puis il y a Demain le Monde, autre livre, donc qui se rapproche, hein, mais c'est deux ouvrages différents. Et il se trouve que Le Monde Enfin, effectivement, il est épuisé, mais il va être réédité en novembre, voilà. C'est peut-être un peu compliqué ce que je dis, mais on peut revenir. Mais c'est tout des nouvelles, effectivement, sur l'écologie, principalement, beaucoup sur la fin du monde, sur la fin de l'humanité, un thème qui m'est cher, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Justement, la thématique de Nice Fiction cette année, c'était « Reboot ». Et vous, ce que je note à partir de ce texte, c'est en fait un reboot sans les humains qui ont… Tout à fait. Oui. À la fin. Chacun a ses fantasmes, mais le mien, c'est effectivement un monde où, sinon sans humains, du moins avec beaucoup moins d'humains, parce qu'on est trop, hein, ça, il faut en être conscient. On est bientôt 8 milliards, puis on sera 9 milliards inévitablement, puis 10 milliards inévitablement. Et puis on nous dit quand même, faites des enfants, sur une planète qui ne grossit pas à mesure que sa population grossit. Donc c'est un thème qui m'a toujours inquiété, qui m'a toujours passionné, qui m'a toujours terrifié aussi. Donc, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Alors, quand on écrit sur un monde sans homme, il en reste un, c'est au moins l'écrivain. Quoi. Voilà, c'est le paradoxe de l'écriture. On aime bien exterminer tout le monde, en tout cas devant son clavier, tout en restant le seul survivant pour observer ce qui se passe. Quoi. Voilà, c'est le paradoxe de l'écrivain de science-fiction qui aime bien écrire sur la fin du monde. Une fin du monde, d'ailleurs, qui est très, très, très étonnante, parce que ce n'est pas la guerre nucléaire qui détruit cette humanité. C'est une espèce, ça s'appelle pandémie, et on ne sait pas très bien ce que c'est que cette pandémie. Excusez-moi. Non, je vous coupe. J'ai beaucoup écrit sur la guerre nucléaire, néanmoins, mais c'était un sujet qui était plus à la mode, si je peux dire, dans les années 60-70, au temps de la guerre froide, au temps de la confrontation parfois un petit peu serrée entre les États-Unis et l'URSS. Et puis ce danger-là, bon, sans être passé tout à fait, hein, c'est beaucoup atténué, on en parle beaucoup moins. Il y a moins de risques quand même aujourd'hui qu'une guerre nucléaire éclate.
par rapport à d'autres périls, notamment l'effet de serre, l'extinction de beaucoup d'espèces animales, et dont l'extinction de l'homme peut suivre, effectivement. Donc, j'ai plutôt écrit là-dessus. Et quand j'ai voulu faire cette histoire de monde enfin, de monde sans homme et rendu à la nature et aux animaux, j'ai pas voulu reprendre le thème de la guerre atomique parce que j'avais pas envie, justement, de faire naviguer mon héros dans un monde apocalyptique où tout est détruit, où il y a des radiations, tout ça. Mon but, c'était justement que la nature renaisse et resplendisse. Donc, voilà, j'ai éliminé les hommes par une pandémie. Et du coup, vous êtes dans l'actualité assez étonnamment. Pas étonnamment, non, parce que je veux dire, l'actualité des pandémies ou des épidémies, il y en a tout le temps. Il y a le SARS, il y a eu le sida, il y a eu la grippe espagnole, infiniment plus grave que le Covid-19, et la peste du Moyen-Âge qui a exterminé la moitié de l'Europe. Donc, la pandémie, l'épidémie, la maladie, c'est une chose avec laquelle on vit, quoi, de toute éternité, hein, voilà, depuis que l'homme est l'homme. Donc, j'ai rien inventé, j'ai simplement surfé sur une des possibilités cataclysmiques qui nous guettent, qui sont autour de nous, quoi. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle qui est aussi quelque part un court roman, c'est une longue nouvelle, très développée. Et en fait, il y a un aspect très intéressant, c'est le paysage. C'est ce paysage, c'est une route qui est familière à beaucoup de personnes qui vont de la région de Lyon à la mer. Et en fait, vous avez une vision de l'architecture et de la nature qui se fond dans l'architecture, dans les restes, dans les ruines, qui est très intéressante, très visuelle, excusez-moi, et qu'on retrouve aussi dans la nouvelle que vous avez publiée en 2018 dans Civilisation Scant, où il y a aussi une transformation. Là, ça se passe sur une autre planète, c'est très différent. Sur une autre planète, mais il y a une idée derrière, et enfin, il y a une sorte de génie chez vous à transformer, à mêler le naturel et le fabriquer, quoi. Ça tient, parce que comme je vous l'ai dit, mon intérêt premier, c'est quand même le visuel, c'est quand même le dessin et la peinture. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup, quoi. Je ne suis pas bon pour la psychologie, enfin je ne crois pas. Je suis meilleur quand je décris un paysage, et voilà. Et là, ça vient de ma formation et de mon intérêt tout premier pour la peinture, pour le dessin, pour restituer sur une toile ou sur une feuille de papier ce que je vois autour de moi, quoi, bien sûr. Oui. Et mon écriture, je tiens à ce que les gens qui me lisent, s'il y en a quelques-uns encore, se rendre compte de la place que je donne à l'environnement, quoi. Le cavalier chemine sur son cheval, donc il regarde ce qu'il y a autour de lui, les arbres, le ruisseau, le ciel avec les oiseaux, les villes ou les villages déserts qu'il traverse. Donc, alors particulièrement pour cette longue nouvelle, ce petit roman qui s'appelle Le Monde Enfin, c'est vrai que j'ai parcouru simplement des endroits et des routes que je connaissais très bien, parce que bon, j'habite Grenoble, maintenant je ne circule plus beaucoup, mais plus jeune j'allais beaucoup dans le Midi, à la mer, en passant par Avignon, où j'ai été un familier du festival, c'est une ville donc, que je connais par cœur, que je pouvais décrire parfaitement. Donc voilà, mais ça, pour tout ce que je fais, tout ce que j'écris, je m'informe, quoi. J'essaye de faire les choses justes, quoi. Je veux dire, si je situe un récit dans une ville ou un village, il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je vois comment c'est. Je veux pas inventer les choses, sauf effectivement quand je écris de la pure science-fiction, comme dans Scant, ou qui se passe sur une planète lointaine. Là, j'invente, bien sûr, mais tout en inventant, je visualise d'abord, quoi, au moins dans ma tête. C'est très net, et d'ailleurs l'évocation d'Avignon, que je connais aussi pas mal, était très 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 belle et très c'est oui, effectivement la cour, pas en fait tout ça, bon, c'est un lieu très familier, et là je l'ai imaginé effectivement désert, rendu à la végétation, voilà, une ville morte, presque morte en tout cas, comme tous les autres lieux
je traverse mon cavalier solitaire, oui, bien sûr. Oui. Qui d'ailleurs contourne des... Parce que c'est aussi la vallée du Rhône, c'est aussi la vallée des centrales nucléaires, et c'est vrai qu'ils les contournent, elles sont encore en fonctionnement, et on se demande... Alors, comme cette nouvelle est assez ancienne, la toute première, donc, on parlait beaucoup de Malville, quoi, de le surgénérateur de Malville, qui était en construction, qui n'a jamais fait vraiment fonctionner, d'ailleurs, c'est une des nombreuses catastrophes du nucléaire civil. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait figurer sur le parcours. En cavalier, bien sûr. Ça, donc, c'était pour les paysages. Il y a aussi quelque chose d'assez fascinant, c'est votre façon de décrire, mais c'est vraiment, effectivement, on voit le crayon presque, les insectes, les oiseaux sont très présents, sont... ce sont quasiment les héros de ce road movie, en fait, qui est ce texte. Oui, oui, tout à fait. C'était le but du texte, encore une fois, faire revivre la nature telle que, non pas que je l'imagine, mais telle que je l'ai connue dans mon enfance et dans ma jeunesse, qui était un peu moins esquintée il y a une cinquantaine d'années qu'aujourd'hui. Et pour moi, c'est très précieux pour moi que la nature et tout ce qui fait partie de la nature, du moindre brin d'herbe jusqu'aux chiens, chats, chevaux, et en passant par les insectes. J'étais passionné par les insectes quand j'étais tout gosse. J'avoue que j'en poinçonnais parfois sur une planche, je le regrette bien, mais j'étais bien jeune. Et puis je vis encore une fois dans à flanc de colline, j'ai un jardin, donc j'ai plein d'insectes dans ce jardin, j'ai des oiseaux qui viennent picorer sur mon balcon, enfin... Tout ça, c'est familier, quoi. C'est du vécu, ce n'est pas des choses inventées, c'est vraiment quelque chose qui me correspond et que je vis tous les jours. Donc, les insectes, et puis, en fait, il y a aussi la psychologie du personnage. En lisant, j'ai ressenti, en fait, une humanité en déclin, bien sûr, puisqu'en plus, ils sont tous âgés, on ne sait pas où sont passés les jeunes, et... tu vois, dans cette version-là, et on a l'impression d'une humanité plus douce. Quand il n'y a presque plus personne au monde, on ne se bagarre plus, quoi. Il y a juste quelques petites communautés, effectivement, que mon cavalier rencontre en chemin. C'est tous des vieux, puisqu'il n'y a plus de naissance. L'épidémie a tué presque tout le monde, sauf certains, parce qu'il y a toujours des gens préservés dans n'importe quelle maladie, dans n'importe quelle pandémie. Donc voilà, c'est des vieux qui savent leur fin prochaine et qui vivent paisiblement en cultivant leur jardin, en nourrissant des poules, etc. quoi. Donc c'est une espèce de paix qui est revenue par le fait qu'il y a moins de monde, donc il y a moins d'intérêt, quel qu'il soit, économique si on veut, de territoire ou de ce qu'on veut. Donc c'est une fin du monde douce, quoi. C'est ce que j'ai voulu dire en fait. Un espèce de paradis sur terre qui ne va pas durer, puisque effectivement, tel que je raconte l'histoire, à la fin, il n'y a plus d'hommes, hein, puisque mon cavalier meurt à la toute fin, à la toute dernière page. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué, parce que quand on lit le total, hein, c'est-à-dire l'ensemble des nouvelles de greffe autour de cette nouvelle principale, on voit qu'il y a quand même quelques couples qui survivent, qui apparaissent dans d'autres textes. Ah oui, ben. Le couple, la terre continue malgré tout. Voilà. Malgré tout, et puis c'est un monde déconnecté aussi, ce n'est même pas le Moyen-Âge, c'est quasiment la préhistoire, parce qu'il y a, on ne sait pas ce qu'il y a. Parce qu'il garde quand même, il a son cheval, effectivement, il a un fusil avec quelques munitions pour se protéger, et puis les quelques communautés de vieillards qui survivent utilisent l'énergie solaire, enfin, c'est des trucs réels malgré tout. Non, c'est pas, j'ai pas voulu faire un retour à l'âge de pierre, c'était pas mon but, quoi. C'était simplement, qu'est-ce qui se passe si tout le monde meurt? Et on survit jusqu'à la fin dernière avec ce qui nous reste comme instrument de travail et comme énergie, et voilà. Et bon, vous parlez de psychologie, oui, je sais pas si c'est vraiment de la psychologie, c'est simplement le réalisme que je tenais à mettre en scène. Où il n'y a plus de conflits. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de profondément pacifiste. Tous les conflits me hérissent et m'irritent.
Et même avec les animaux, il y a cette séquence où ils rencontrent des lions sur la route, mais les lions, ils n'ont jamais vu d'homme, donc ils ne cherchent pas à l'attaquer parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Je tenais à faire tout ça, quoi, une espèce de vision, je n'ai pas de paradis terrestre, parce que je suis un incroyant total, mais voilà, les gens qui vivent en harmonie avec les animaux qui ne cherchent plus à les attaquer, quoi, c'était ça. Et en fait, par rapport à vos écrits, vous définissez comme un écrivain engagé donc dans l'écologie, la défense de la nature. Et est-ce que vous pouvez développer, nous dire un petit peu comment votre engagement dans la vie et dans l'écriture fonctionnent ensemble, quoi. Ah, ils fonctionnent ensemble parce que c'est moi, je veux dire, avant d'être un écrivain, je suis un homme, je suis un citoyen, donc voilà, un citoyen qui a toujours été en prise sur le direct, en prise sur la vie de tous les jours. Moi, je viens quand même du syndicalisme, si vous voulez, syndicalisme étudiant notamment, hein, j'ai beaucoup milité à l'UNEF hein, dans mon jeune temps, quand j'étais étudiant. Et puis, alors là, c'était la guerre d'Algérie, puis après, c'était la guerre du Vietnam. Enfin, voilà, c'était nos engagements à nous et à moi en particulier. Et puis, très vite est venue la conscience du péril qu'on faisait subir à notre planète, donc à nous. Hein, la destruction de l'environnement, les villes qui rongeaient la place de la campagne, le péril atomique, donc dans les années 60-70, puis qui s'est atténué, et puis maintenant l'effet de serre qui nous menace à brève échéance. Donc j'ai toujours eu ça en ligne de mire, et donc le citoyen que je suis, devenu écrivain un petit peu par hasard, il écrit ce qu'il pense, ce qu'il croit être juste, quoi. Et mon engagement, il tient beaucoup, c'est vrai, à mon écriture, hein, au coup de gueule que je lance sur des messages que j'envoie, des dessins que je fais, des blogs, tout ça, des participations à des réunions ou des manifestations anti-nucléaires, par exemple. Je fais partie d'une association anti-nucléaire de l'Isère. Voilà, tout ça va ensemble, quoi. Pour moi, c'est pareil, quoi. Je serais autre chose qu'écrivain, mais je vois pas ce que je pourrais être, d'ailleurs, en fait. Mon engagement serait le même. Peut-être que j'aurais plus de temps pour m'engager vraiment de manière physique, si je puis dire. Mais voilà, quoi. J'ai fait toutes les manifs anti-nucléaires. La toute première manif, c'était à Bugey. Bugey, c'est pas très loin de Grenoble, puisque c'est dans l'Ain. C'était en 1970, hein, c'était avec les gens de Charlie Hebdo, déjà à l'époque où j'écrivais à l'époque. Il y avait Cavana, tout ça, tous ces gens-là. Puis après la grande manifestation contre le surgénérateur de Malville, là c'était en 1977, il y avait 70 000 personnes, c'était vraiment exceptionnel. Et puis voilà quoi, c'est ma vie tout ça. Hein. Je ne fais pas de différence en fait, je fonctionne comme ça. Et du coup, ça continue à alimenter votre création, votre... Ben oui, parce que j'écris sur ce qui me préoccupe, évidemment. Donc, j'écris encore une fois, toujours, sur la préservation de la nature. Et préservation de la nature, ça veut dire préservation de l'humanité, parce que si la nature meurt, l'humanité mourra avec elle. Ça, beaucoup de gens, peut-être, s'en rendent pas vraiment compte. Ils préfèrent consommer, ils préfèrent conduire leur bagnole, etc. Prendre l'avion 3 fois par an pour aller à l'autre bout du monde, etc. Tout ça, c'est des choses qui m'inquiètent, qui me préoccupent. Alors bon, on peut dire que on me l'a reproché d'ailleurs, j'écrivais toujours la même chose, que je me répétais, mais c'est vrai que je peux difficilement faire autrement, quoi. Sauf que je l'ai fait malgré tout en écrivant quelques bouquins, notamment la série Gandahar, là, qui compte 6 romans et autant de nouvelles, sur une planète très lointaine, mais là où je parle aussi d'écologie, quoi. Enfin, fatalement, ça revient toujours au galop, si je peux dire. C'est sûr qu'effectivement, la science-fiction est un espace de liberté qui permet de se projeter peut-être plus facilement que des romans historiques qui racontent des choses qui sont déjà définies. Oui, la science-fiction, c'est le roman historique du futur, quoi. Alors que le futur, comme il n'est pas
il n'est pas arrivé, on l'invente, donc on peut dire ce qu'on veut. Mais je crois que le seul futur valable, c'est le futur qu'on décrit par rapport au présent qu'on vit. Hein, tout ce que j'écris et ce que les auteurs de science-fiction écrivent en principe, hein, s'ils ne veulent pas tourner le dos à la réalité, ils partent de la vie de tous les jours. Hein, voilà. Alors, quand on est en plein sixième extinction, on se dit, dans 50 ans, dans 100 ans, l'extinction, elle sera vraiment là. Donc, on ne peut pas y échapper. Je dis souvent que ceux qui y échappent volontairement sont des lâches et des traîtres, mais je crois que c'est vrai quand même. Qui échappent à l'extinction de masse, non? Échappent au futur prévisible possible, ou voilà, quoi, c'est tout. Hein. C'est pour ça que je déteste tout particulièrement l'heroic fantasy qui est pourtant un genre en poupe en ce moment, et parce que là, on se projette sur des mondes qui n'existent pas, on oublie le présent, et voilà, quoi. Donc, on était sur l'heroic fantasy, le fait qu'elle décrive des mondes qui n'existent pas, les mondes n'existent pas. Au chevalier, au château fort, au dragon, tout ça, ça peut être intéressant. Non, mais moi, personnellement, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas. Quoi. Moi, je veux rester dans la réalité. Effectivement. Donc, du coup, je voulais aussi qu'on parle un petit peu du format que vous utilisez, du format de quand vous écrivez. Vous avez parlé de nouvelles. La science... Pardon, mais je vous coupe, je parle beaucoup, c'est bien. Non, mais c'est pour vous. Tout dépend du sujet que j'aborde. Il y a des sujets qui méritent, dont, je ne sais pas moi, 10 pages, qui peuvent se résumer à 10 pages, à 20 pages, à 30. Il y a d'autres sujets qui demandent un roman de 300 pages. Ça tient vraiment pour moi du sujet, quoi, la manière dont je veux raconter une histoire. Il y a des histoires courtes, puis des histoires longues, c'est tout. Mon dernier roman, qui est encore inédit, il fait 1 million de signes, c'est-à-dire si ça ferait un bouquin de 350-400 pages. Quoi. C'est un bouquin un peu de politique fiction, là, mais bon, qui démarre sur la réalité aussi, bien entendu. Et si ça se termine par une bombe atomique à Paris. Attention, ne vous spoilez pas. Mais vous, il sort quand, celui-là ? La science-fiction, et c'est vrai que la science-fiction vient des États-Unis quand même, en grande partie. Même si, oublions Jules Verne un petit peu. Et la science-fiction a démarré dans les années 20-30 avec des tas de revues, on appelle ça des pulps, hein, c'était des petites revues sur du mauvais papier. Donc, ils publiaient plein de nouvelles à tous les grands auteurs, que ce soit Asimov, que ce soit Dick, ils ont tous commencé et continué d'ailleurs à écrire des nouvelles. Parce que souvent, plutôt que se perdre dans des détails, dans des descriptions barbantes et rasoirs, on se concentre sur une action précise, donc ça peut tenir encore une fois à 20 pages, 30 pages, 40 pages. Donc la nouvelle, c'est quelque chose que j'aime bien de toute façon comme lecteur, et c'est assez particulièrement adapté à la science-fiction, je crois, en tout cas pour moi. C'est vrai que j'ai écrit plus de nouvelles effectivement que de romans, parce que je le jugeais comme ça, je le sentais comme ça, quoi. Je théorise pas là-dessus, hein, c'est par rapport à votre approche personnelle d'écrivain. Oui, mais justement, souvent, c'est comme une petite aquarelle ou comme un dessin, une nouvelle. On prend un sujet, on le traite du mieux qu'on peut, sans s'étaler, encore une fois, dans de longues descriptions, même si, paradoxalement, et comme vous l'avez souligné, j'aime bien décrire l'environnement, mais ce n'est pas toujours utile non plus. Ça tient vraiment au sujet, essentiellement, quoi, pour moi. Alors, je n'ai pas eu l'occasion encore de vous lire, mais vous écrivez aussi pour la jeunesse. Quand j'écris, j'écris plus pour la jeunesse, mais c'est vrai que c'est plutôt qu'on me le demandait que des gens qui avaient lu ma science-fiction adulte m'ont dit « Ah, mais tiens, tu devrais faire un livre plus adapté aux jeunes lecteurs ». Alors je l'ai fait, mais ça m'embête un peu parce que fatalement il faut un peu se censurer quand même quand on écrit pour la jeunesse, sur le sexe, sur la politique, sur des choses comme ça. Donc je l'ai fait, je ne le fais plus, c'est pas ma passion. Je pense qu'un bon lecteur lit n'importe quoi, si je me reporte à mon cas, et à La guerre des mondes de Wells, qui est vraiment un bouquin très dur, adulte, je l'ai lu avant 10 ans, quoi. Donc littérature pour la jeunesse, c'est un petit peu un genre bâtard, quoi, pour moi, sincèrement. Mais bon, il y a d'excellents auteurs pour la jeunesse, c'est sûr.
Je ne suis pas Saint-Exupéry, malheureusement. Bref. Je ne sais pas s'il a écrit pour la jeunesse, vraiment. Oui, quand même. Mais bon, c'est un petit détail, tout ça. Mais pour moi, j'aime bien écrire ce que j'ai envie d'écrire sans du tout m'auto-censurer. Je crois qu'il n'y a rien de pire que l'auto-censure. Hein, se dire, oh là là, mais ça, je vais vexer certaines catégories de lecteurs. Il faut pas. Non, moi, je me dis pas ça. J'écris franco de port. J'y vais tout droit. Et bon, ben, il y a des gens qui n'aiment pas ce que j'écris. C'est normal. Hein. Ils me jugent trop politique, ils me jugent trop ci, trop ça, trop engagé, trop nina. Mais peu m'importe. Je préfère avoir moins de lecteurs et qui adhèrent à ce que je dis plutôt que m'adresser à tout le monde, parce que tout le monde, ça veut rien dire en fait. Oui, on écrit, puis le lecteur reçoit ce qu'il reçoit. Il accepte ce qu'il accepte. J'aurais une petite question encore pour en revenir aux personnages en science-fiction. Et je voulais en fait vous demander, pour vous, qu'est-ce qu'un personnage, qui est le cas de cet homme qui part sur son cheval, qui n'a même pas finalement de nom, parce qu'on ne sait pas comment il s'appelle dans cette partie. On sait si on lit l'ensemble des nouvelles qui se rattachent. Parce que voilà, mais je n'ai pas fini de vous lire, donc j'ai encore du travail. C'était un professeur à l'Institut Jussieu, un zoologue en fait, et puis voilà. Et dans le reste des nouvelles, on le voit évoluer avec les gens qui meurent autour de lui, mais lui, il est immunisé, on ne sait pas pourquoi. Et puis il vieillit, il part en Afrique pour étudier les éléphants. Et voilà, et là, c'est vraiment la fin de sa vie. Mais après avoir écrit cette nouvelle, j'ai écrit d'autres qui se situent avant son parcours. Voilà. Mais bon, il faut tout lire pour avoir le total, quoi. Eh ben, je lirai, sinon il ne manquerait pas. Donc, du coup, ma question, c'était qu'est-ce qu'un personnage sans avenir en science-fiction ? Pardon, attends, j'ai pas saisi. Qu'est-ce qu'un personnage sans avenir en science-fiction ? Je ne sais pas ce que c'est que l'avenir. Moi, l'avenir, on l'invente tous les jours. On l'invente dans l'histoire, hein, là, je suis vraiment à l'intérieur de l'intrigue du roman. Non, je crois que c'est un personnage qui ne se pose pas de questions parce qu'il n'a plus de questions à se poser. Hein. Il est vieux. Ce qui est marrant, c'est que j'ai écrit il y a longtemps, mais j'ai l'âge aujourd'hui que mon cœur a dans cette nouvelle. Donc, il vit au jour le jour en chevauchant, en se reposant, en trouvant des abris pour la nuit. C'est quelqu'un qui ne se pose plus de questions. Il sait qu'il va mourir un jour ou l'autre. Il veut mourir près de la mer parce que c'est un vieux fantasme, c'est une idée poétique, hein, mourir en regardant la mer, toujours recommencer, comme dit un autre écrivain. Voilà, c'est tout. Donc, je n'ai pas cherché à lui donner une psychologie particulière. J'ai essayé, au contraire, de me mettre à sa place. Hein. Voilà, il n'y a plus personne ou il n'y aura bientôt plus personne. Bon, ben, il n'y a pas de questions à se poser, qu'on vit au jour le jour et c'est tout. Je n'ai pas cherché autre chose, en fait. Ce qui le préoccupe, c'est où dormir, où se mettre à l'abri de la pluie, ne pas fatiguer son cheval, prendre des médicaments qu'il doit prendre, essayer de trouver à manger, hein, voilà, c'est tout. C'est la vie de tous les jours, de la manière la plus simple et la plus brute possible. Oui, ce qui m'a frappé, c'est au début, je me dis, mais ça pourrait être un personnage de SDF, en fait. Il n'a plus rien, il est... Oui, il n'a rien, mais il n'a plus grand-chose, effectivement. Mmh. Sauf que c'est un SDF sans personne pour lui faire l'aumône, ou presque plus, même s'il rencontre, effectivement, certaines communautés de gens qui survivent, de son âge, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, c'est très difficile, après l'avoir écrit, de se remémorer la manière dont on a commencé à écrire. Une fois qu'une nouvelle est faite, bon, ben, elle est faite, voilà, elle est gravée dans le marbre, si je peux dire, ou gravée sur un fichier ordinateur, et puis on passe à autre chose, quoi. Mais c'est vrai que ça fait partie des textes qui me ressemblent le plus, qui sont le plus chers à ma mémoire d'écrivain, ça c'est certain, ouais. Bah, écoutez, c'est un beau texte, hein, de toute façon. Alors... Oui. Oui, allez-y. Non, rien, c'est vrai que c'est parmi mes lecteurs ou les critiques, c'est souvent ce texte qu'on cite de moi comme me représentant
le mieux, ça c'est vrai. En tout cas, qui représente votre amour de la nature très clairement, et puis votre, puis oui, c'est votre amour du dessin, de. C'est... Oui, le préserver ce qui est autour de nous, quoi. Voilà, c'est ça en fait. Hein. D'ailleurs, la fin est un clin d'œil assez presque humoristique là, avec le panda. Bah alors, j'ai... oui, tout à fait, oui. Non, mais c'est ce que j'ai voulu, quoi. C'est dire la nature, la Terre, de toute façon, elle restera, de toute manière. L'humanité a de grandes chances ou de grandes malchances de s'éteindre. Si ce n'est pas dans 100 ans, ça sera dans 1000 ans, mais elle s'éteindra. Et la planète restera hein, pour encore 4 ou 5 milliards d'années. Donc voilà, ce n'est pas sur la planète qu'on doit se faire des soucis. C'est sur la manière dont elle survit avec tout ce qui était. Je veux dire, on est arrivé très tard hein, bon, sur cette planète. Les animaux sont là depuis des millions et des dizaines et des centaines de millions d'années. De quel droit on les exterminerait pour prendre leur place quoi. Voilà, c'est ça ma philosophie en fait. J'aurais une dernière question si vous n'avez pas envie de dire encore quelque chose sur. Je suis très bavard, vous savez, alors je peux en dire. Mais peut-être qu'elle nous emmènera vers quelque chose. En fait, la question que je voudrais vous poser, c'est que reste-t-il encore à écrire en science-fiction, maintenant, au jour d'aujourd'hui ? Ah ben, il y a beaucoup d'auteurs qui abordent des thèmes sur l'informatique, sur l'intelligence artificielle, sur la vie artificielle, sur le confinement, justement, mais voulu, les gens protégés dans des bunkers où tout est cruel, hein, où on vit non pas dans la nature, mais avec des fenêtres qui ouvrent sur la nature et la bouffe qui arrive par des canalisations, je ne sais pas. Ça, c'est un thème qui m'effraie de toute façon, mais je n'ai pas envie de traiter tellement ça m'effraie. Et puis, il y a toutes les histoires sur le clonage, par exemple, sur le transhumanisme, essayer de transformer l'homme, le rendre meilleur, encore une fois, entre guillemets, qu'il n'est. Ça, c'est tous des thèmes de science-fiction que je n'aborde pas moi, mais que beaucoup d'autres auteurs abordent parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'on y est, quoi, dedans. Hein. Ben, la preuve, on se parle pas, on n'est pas en face, on se parle par écran interposé, c'est bien, c'est une facilité, mais il faut pas non plus en abuser, quoi. Je veux dire, c'est quand même bien de se rencontrer, voilà, les yeux dans les yeux. Et bon, même si en ce moment c'est un petit peu difficile, mais le Covid y passera, comme toutes les autres épidémies ont passé. Hein. Il faut pas non plus s'affoler sur ça. Du coup, pour vous, la science-fiction a encore de beaux jours, même si. Bien, oui, mais on invente une des facilités qu'on a en tant qu'être humain, c'est qu'on peut inventer toujours. Hein. Et la science-fiction n'a pas de raison de s'arrêter à inventer, puisque les choses évoluent de toute façon d'année en année. Il y a toujours de nouvelles choses qui se passent, point de vue scientifique, sociologique, politique, tout ce qu'on veut, géographique, etc. Donc, se basant sur une réalité qui évolue d'année en année, eh bien, la science-fiction évolue en parallèle, quoi, bien sûr, oui. On parle beaucoup moins d'aller dans l'espace, comme on le faisait il y a quelques 10 ans, 20 ans, ou non plus que ça, 30, 40 ans, parce qu'on sait que dans l'espace, on ne peut pas aller bien loin, quoi, et que les problèmes se posent plutôt sur la Terre. Donc voilà, la science-fiction se moule sur l'environnement, sur la situation du monde dans lequel on vit, quoi, au jour le jour. Donc ça reste d'actualité et... Effectivement, c'est ancré dans notre réalité. Bien sûr, même si, encore une fois, la science-fiction n'est pas un genre très, très populaire. Il y a peu de gens qui en lisent, hein. Il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a beaucoup de gens qui lisent de la fantasy plutôt que de la science-fiction pure et dure. Mais bon, ça, c'est chacun son choix. Hein. Et le mien est fait, en tout cas. Voilà, merci. Vous aurez peut-être autre chose dont on pourrait discuter, non ? Parce que là, j'avoue que... Non, ben je pense qu'on a encore plein de choses à se dire. Bien sûr, non, mais je continue à écrire, je continue à dessiner, etc. Je mourrai sur scène comme Molière, je pense. Mais en ce moment, c'est vrai que maintenant, je fais un petit peu retour
sur tout ce qui a fait ma vie intellectuelle, en tout cas, en publiant plutôt des livres théoriques sur la dystopie ou sur le cinéma de science-fiction. Vous voyez, j'ai fait tous mes derniers bouquins, c'est plutôt des études, effectivement, sur le genre dans lequel j'ai baigné depuis très, très, très longtemps, quoi. Mais bon, ça, j'écris quand même des notamment le roman que j'évoquais qui n'est pas encore paru, voilà. Et qui paraît quand? Je ne sais pas, justement, je ne sais pas encore. Il est chez un éditeur qui l'a pris, mais on ne sait jamais, quoi. C'est souvent assez long, hein, mais ça va arriver. Et puis surtout, je compte beaucoup sur la réédition du Monde Enfin. Toutes ces nouvelles qui sont autour du Cavalier, j'en ai même rajouté 4 en plus par rapport à la précédente édition pour vraiment faire un tour complet de l'extinction progressive. C'est des humains. Mais du coup, celui-là, il est prêt à sortir ou pas? Oui, il va sortir en novembre chez ActuSF, qui est un éditeur. Ah, déjà. Donc c'est bien de nous l'annoncer parce que. Tout à fait. C'est en novembre, bon, donc voilà, c'est un éditeur qui a déjà publié plusieurs de mes ouvrages, tout à fait. ActuSF. D'accord, écoutez, on va l'attendre. Novembre, c'est pas plus loin que ça. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si. Merci de cet entretien, ça fait toujours plaisir de discuter et de porter la bonne parole, si je peux dire. Oui, bien sûr. Et puis bon, moi personnellement, je ne vous connaissais pas beaucoup et donc j'ai découvert une écriture qui me plaît beaucoup et que je vais pouvoir approfondir en novembre. Mais... Oui, il y en a bien d'autres aussi. Mais j'en trouverai bien dans les bibliothèques. Vous verrez, dans les bibliothèques. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Bon, encore une fois, mes bouquins circulent, ils sont réédités aussi régulièrement. Le dernier est très édité, ça s'appelle « Les enfants de Pisauride ». Et là, c'est un ouvrage un petit peu sur le nucléaire. Voilà. Oui, je l'ai vu, j'ai vu l'article, effectivement. D'accord. Mais oui, j'ai vu. Mais là, c'est plus du fantastique, non? Pas vraiment, parce que c'est une histoire d'araignées qui refont leur nid près d'une centrale nucléaire, qui sont irradiées, qui piquent des gens. Et voilà, bref, j'en raconte pas plus, mais c'est… D'accord, oui, maintenant, il faut nous laisser découvrir. Voilà. Mais celui-là, il est sorti. Oui, il est sorti. Les enfants de Pisauride. Pisauride. Le nom d'une araignée spécifique. Vous voyez, là, je suis toujours très précis dans ce que je raconte. Voilà. Dans la nature, toujours. Familière, comme on peut croiser dans n'importe quel champ. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté cette rencontre. J'espère qu'on vous verra en vrai à Nice l'année prochaine. Oui, Nice, c'est pas, c'est un peu loin, mais c'est pas très loin non plus. Oh, c'est, je peux vous le dire, j'y vais moi souvent à Grenoble, c'est 5 heures de route, quoi. Oui, ben voilà, mais ne parlez-moi pas de route parce que j'ai pas de voiture et je déteste ça. Alors, bon. Il y a le train qui y va. Il y a le train, c'est un peu compliqué quand même, mais bon, rien n'est impossible, effectivement. Voilà, ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Non, ben c'est moi encore, hein, votre patience, tout ça. Voilà, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bonne suite. Hein. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.